Quand vous me demandez si je ne dors pas, vous ne dormez pas, pourquoi? Bon, j'ai un message important à vous passer. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez. Ce que j'ai dit est très sérieux. Hein. Vous êtes au mauvais endroit. Écoutez-moi. Vous êtes au mauvais endroit. Certes, tu vas avoir tes papiers, mais pourquoi tu forces depuis pour rester là-bas? Pourquoi tu restes là-bas depuis? Tu sais que tu devais être au pays depuis longtemps. Tu sais que tu devais être dans un autre pays même. Mais parce qu'on t'a dit que c'est là-bas que ça donne. Te voilà, tu es calé. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Hein, parce qu'il y a cela 2 heures, 1 heure de temps quand j'ai fait la vidéo. Je vous ai dit, le temps pour vous d'avoir ce que vous attendiez depuis est là. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Tu connais les dons que tu as. Tu connais tous les dons que tu as là. Tu arrives au boulot chaque jour, on te stresse. On te stresse. On suce ton énergie. Tu es toujours là. Ah, c'est pas, j'ai quitté de live et parti où? Je vais faire quoi? C'est tout à pas là-bas. Quand tu commences ta mission de vie, premièrement, c'est une, deux ou trois choses qui te passionnent d'abord. Ce n'est pas les choses que tu as apprises à l'école. Naturellement, ça vient. Et tu peux m'enseigner ça aux autres. Quand tu es arrivé là-bas, on t'a dit, oh, c'est les soins infirmiers qui passent. Laisse-moi tous tes rêves là. Va faire les soins infirmiers. Tu es parti faire. Depuis 10 ans, tu as été fait soins infirmiers. Rien n'avance dans ta vie. Tu n'arrives à rien faire. Rien. Les papiers même. Tu bosses, mais tu n'as pas les papiers. Quand il fallait te marier, l'esprit t'a dit, n'épouse pas l'homme là. Tu as du si, tu as fait que tu, comme je vous dis souvent là. Que tu es parti l'épouser, non. Tu es en train de lire, tu lis l'heure dans le mariage, non. Tu lis l'heure maintenant sur le calendrier chinois, non. Continue. Le truc, c'est que c'est un conseil. Quand on ne vous donne pas les bons conseils, pour vous retrouver en train de vendre votre vie. Vous vendez. Tu vends ta mission de vie à DHL, tu travailles chez DHL, chez Amazon. Les petits 1500 euros qu'on te donne là, ça ne t'aide à rien faire. Fin de chaque mois, point de départ. Début de chaque mois, point de départ. Rien n'avance. Quand tu commences ta mission de vie, ça ne te donne pas un peu d'argent.
Ça dompe un peu, ça dompe beaucoup. Beaucoup. Tu risques qu'on ça l'argent dignement. Les gens sont attirés à toi. Les gens viennent à toi. Tu m'aimes. Tu fais un petit truc comme ça là, les gens achètent de tout. Tu as découvert ta mission. On parle de toi de bouche à oreille. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Et quand tu te lèves le matin pour aller faire ça, tu as l'énergie. Tu as envie. Me voilà à minuit, je suis en train de vous parler, non. Me voilà à minuit, non. Et c'est vous qui m'avez forcé. Me voilà seul, non. L'énergie est une simple valeur où tu prends ça. Mais tu fais. Et quand je commence la mission de vie, tu as les aides de destinée. Tu as les aides de destinée. Tu as les gens qui vont venir t'aider de nulle part. Tu restes comme ça. En une journée, deux personnes vont te confirmer une parole. Les anciens m'ont envoyé de te dire ça, ça, ça. Tellement, donc, ça clique, tac, 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 tac. Ça donne. Quand tu es dans ta mission de vie, ce que les gens font pour que ça, genre, ils doivent faire 50 choses pour que leur vie soit sur pied. Chez toi, ça se passe seul, ça se met en place seul. Ça se met en place seul. Hein. Donc, tu restes comme ça. Peut-être quelqu'un, une autre personne, doit aller chercher les enfants à l'école, faire manger aux enfants, faire ceci, faire qu'ils étudient. Des enfants de l'école seuls. Ils prennent les nourritures, ils font la nourriture, ils réchauffent. Ils étudient seuls, ils sont au premier de la classe. Ça s'aligne seul. Seul. Le mari que tu cherches depuis là, il vient. Et quand il vient naturellement, tu ne forces pas, tu ne cours pas derrière lui. Tu n'as même pas le temps d'aller préparer pour dire, oh bébé, mange. Le bébé, mange ma nourriture. Non. Seul. Et tu as les... Tu te sens accompli. Tu es heureux. Tu es heureux. Seul. Tu as comme ça, tu as hâte d'être à demain. Parce que tu sais que demain, tu vas encore faire quelque chose de bien. Pas le genre que ton réveil sonne à 5 heures. Oh, je vais encore aller laver les blancs là. Oh. Ils m'ont griffé. Ouais, la manager là ne m'aime pas. Ah là, voilà. Bonjour, ça va? Ah. Et de surcroît, l'argent vient de tous les côtés.
L'argent vient de tous les côtés. Ça vient seulement. Tu fais un petit truc. Quand les gens ont 5 000, toi, c'est 50 000 qui viennent. Pour la même chose, hein. T'as pas ce que 50 000. Je suis allé en Italie une fois. Ils m'ont dit qu'il y a un homme et sa femme. Ils font les pizzas depuis 30 ans dans leur maison. Les gens qui quittent d'Europe, quand ils arrivent là-bas en Italie, ils partent là-bas manger ça. Et les gens ne se pressent pas pour vous servir. Hein. Tu arrives, tu attends, tu t'alignes. Qu'on réserve même 6 mois à l'avance pour aller là-bas. Bien sûr, vous imaginez le goût. Je vous en prie. Écoutez-moi. J'ai une formation sur la mission de vie. Je vais poster ça dans 2-3 jours. La société, hein, ne veut pas que tu découvres tes dons. La société ne veut pas que tu vives de tes talents. Jusqu'à ce que tu restes comme ça. Donc tu me dis que tu es millionnaire, milliardaire, tu n'es pas parti à l'école. Tu n'as pas fait formation infirmière pour devenir milliardaire. Vous avez vu une infirmière qui est milliardaire? Hein? Il pense qu'il dit tout ce que j'avais à dire. Donc j'ai dit, je veux juste que vous réfléchissiez. Ok? On t'a dit de venir faire la filière que tu fais là. Tu as fait. Tu as déjà vu une aide-soignante qui est milliardaire? Hein? Tu as vu quelqu'un qui avait la licence là, il est devenu milliardaire? La société a intérêt que tu ne découvres pas tes talents. Que tu ne saches pas comment utiliser tes talents. Comme ça, on va t'endormir, on te maintient dans le système. Imagine si tu avais foi, si tu avais foi en ce qui est en toi. Que les gens, je suis consultante, je vais montrer aux gens comment décorer l'intérieur de leur maison. Est-ce que vous avez étudié à l'école? Non, depuis que je suis petite, j'ai un goût pour les couleurs. Je connais agencer les couleurs, je redonne la vie aux maisons. Je redonne la vie à ton visage, madame. Qui touche tes cheveux, tu confirmes. Voilà un don. Voilà un don. Tu arrives en France, on te dit, ah, la coiffure ne paye pas ici. La coiffure ne paye pas, il te dit, va faire des soignantes. Tu peux pas faire. Donc, pour ceux qui veulent les cristaux, comme je vous ai dit, cristaux de sel, il y en a. Vous voyez comment ils sont colorés. Avec les vrais cristaux, même. Ne t'inquiète pas, les Wedissiers, d'ailleurs. Comme tu dis qu'il faut quand même les infirmiers dans les hôpitaux, non. Ce sera toi qui vas aller là-bas faire infirmier. Va faire. Peut-être que tu es de garde, tu m'écoutes. Ne t'inquiète pas. Va faire, tu seras infirmier. Tu comprends, non? Ceux qui ont besoin de mon message, ils me connaissent. Écoutez. Ceux qui je suis appelé dans leur vie là, ils m'écoutent. Hein. Ils se reconnaissent. Donc, va les pieds. Et les cailloux. Hein. Et tout, c'est l'énergie. Vous devez élever votre vibration. Et lavage qui dit de faire, la faites ça. Mettez les cristaux, cannelle, tout ça. Mettez dans votre porte-monnaie. Protégez votre argent. Vous allez voir que votre revenu va commencer à dépasser ce que vous touchez en tant qu'infirmier. Tu as total 8 000 euros le mois. Tu es infirmier. À un moment, tu vas laisser le boulot de 2 500 euros là, non? Voilà. Bon.
C'était le flash de minuit. Bonne nuit.